Et ça tout le monde, c'est Azuric Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 226 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, abonne normal, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait encore continué notre créature divine dans lequel on avait activé tous les terminaux de contrôle. Il ne nous reste plus que celui qui est au milieu, qui est ici. Donc les amis, on va pouvoir l'activer. Normalement aujourd'hui, on la termine, hein, cette créature divine. J'ai save avant. Normalement, à mon avis, ici, je crois qu'il faut s'attendre à un combat de boss. Donc les amis, on y va. Donc on y va, on se prépare. On se prépare très très bien d'ailleurs, justement. Et puis voilà, donc bah écoutez, c'est parti. Oh my god! L'ombre de Ganon! Ah, c'est une ombre de Ganon? J'avais oublié, tiens. What the fuck, créature divine, Vamedo! Ombre de vent de Ganon! Ombre de vent de Ganon. Eh, il est vraiment mort. Allez, go! Fuck, t'as de la chance. Oh, midlife! Midlife! Ouais, bon, vraiment, c'est une stratégie que je veux absolument utiliser. Oh my god! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh my god, oh my god! Tu peux t'envoler s'il te plaît? Envole-toi! Oh! Le bâtard! Attention! Oh! C'est pas gentil ça! Putain, t'as de la chatte. Là il va partir. Allez, 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 allez. On peut pas le cinétiche à mon avis ici. T'as de la... Oh, on va tenter le cinétiche. Et voilà, on l'a eu. On l'a eu. Oui. Allez, t'es avec nous. Oh my god, on l'a eu! Wow! Oh mon dieu, on a fini notre première créature divine. No way. Oh, j'ai trop la hype. Oh, réceptacle. On nous donne un réceptacle de cœur. On nous donne un réceptacle de cœur aussi. Oh mais c'est génial. Alors là, le réceptacle de cœur, je vous le dis les amis. Oh, il est magnifique. Qui tâte. Un réceptacle de cœur. Réceptacle de cœur. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Oui. Oui. On a tellement de vie maintenant. On est tellement puissant. Et du coup, bah, on va pouvoir examiner. Hein. Une fois l'unité principale activée, il vous sera impossible de retourner à l'intérieur de la créature divine. Voulez-vous l'activer maintenant? Annuler. Ben, je crois qu'on a récupéré tous les coffres, donc c'est bon, on peut y aller.
Le truc qui s'était pas acti- plus à réactiver, donc ça veut dire qu'on a activé tous les coffres. Enfin, qu'on a cherché tous les coffres normalement. Grévali, prodige des Piaf. Cela dit, faut bien avouer que c'est grâce à toi si Dana a été libéré. J'ai même pu récupérer le contrôle de Médou. Il est bien débrouillé, je dois le reconnaître. Une récompense est de rigueur, j'imagine. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Grévali est maintenant tienne. Oh! Impression! Chargé de déplacer Médo et la préparer à notre affrontement contre Ganon. Il sera prêt à le combattre au château des Bleus. Nous serons tous de là pour lui. Et ne le remercie pas, je crois. Allez, vas-y, ne me perds pas. J'ai encore beaucoup à faire, je comprends. Ah, les gars! Oh, cette cutscene était géniale. Et dire qu'on en a trois autres après. Il nous en reste plus que trois. On a matière encore, hein. On a matière. C'est génial ces cutscenes. C'est vraiment un vrai compliment de bonne envie. Pas ça donne envie de pleurer, ça me... c'est un truc dingue. Ah, j'ai les émotions qui montent comme ça, c'est une dinguerie. Oh mon dieu, ah non mais là c'est pas gentil quoi. Ah, j'ai les émotions qui montent. Ah oh, putain, j'en pleure. Oh, je coule. Je commence à couler. C'est une dinguerie. Rage de Grévali. Le pouvoir du prodige Grévali permet de créer un courant ascendant qui vous transporte haut dans les airs. Maintenez X enfoncé, puis relâchez-le pour l'activer. Oh, Loki Stat. Ok, Dagrook, vous avez vaincu l'homme de Ganon qui vous a hanté l'une des créatures divines. Il vous en reste à reprendre le contrôle de 3. Oh.
Ah, c'est fait. Et alors, du coup, on peut se re-téléporter. On va le voir. Je suis curieux quand même de voir un petit peu ce que ça donne. Ils disent qu'on peut plus repénétrer dedans, mais... Bah, c'est fou. On dirait qu'on peut y aller. Ouais, on va le voir. On va voir. Wow. On est très haut quand même. Hein. On est très haut. Bon, du coup, par exemple, je peux pas monter dans toi, mais si je peux monter dans toi. La créature des mines tient le château des rues en ligne de mire pour abattre Ganon. Mieux vaut ne pas s'approcher. Mais laissez-moi entrer dedans. Bah, finalement, on peut vraiment pas. Ok, bon, bah écoutez. En tout cas, je me serais éclaté, honnêtement, mais c'était trop kiffant. Mais c'est pas la créature divine que je fixe. Oh my god. Je veux juste descendre et explorer les le contour du truc. Bon, on va faire un truc. Ah, comme ça, la hitbox, elle me fera pas chier. Il y a un truc là-dedans. Oh, oh, ok. Why not? Lucky stat. Oh, on a trois trucs. On est là, à gauche. On a le truc de Revali. Oh, j'ai envie de pleurer. Ok, bon, Nokorogu. Non, tu m'as trouvé Nokorogu, c'est petit Nok, vous êtes donné un Korogu, ça peut faire 1000 pas, 80, beaucoup pas très bien à la réveillure. Oh, je suis. Trop bien. On regarde un petit peu partout quand même. Donc là, ça, il y a un truc là-dedans, à mon avis. Des minerais et tout. Ok, alors ça c'est pour une noix Korogu aussi. Donc en fait il y a des noix Korogu de partout. Non. On fera rien avec ça. Non, ne pète pas. Non, 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 baby. Non, 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 baby. Fuck you. Bon. Ok, une pomme. C'est génial. Hey, hey. Tu m'as trouvé dans le Korogu, c'est petit nain que vous êtes donné un Korogu, c'est pas fort, 1000 pas trouver beaucoup, pas très bonheur, à la réveillure. Bon, non, du coup, on va récupérer. Thank you. Ça, c'est con, par contre, ils auraient dû vraiment faire un truc pour éviter qu'on les reprenne, du coup. Parce que je vous avoue que c'est un limite un peu trop cheaté, mais bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut aller là. C'est où? Ah, c'est en bas. Bah, c'est facile. Facile. Oh oh. Oh, c'est bon. Non, une fois tu m'as trouvé, non, Korogu, c'est plaisir que vous avez donné un Korogu. Ça peut faire 1000 pas 80, beaucoup pas très bonheur à la réveillure. Ok. Bon. Ok. Alors du coup, les amis, on a d'autres choses à faire encore. On a d'autres chats à fouetter. On va du coup explorer. Alors il faut explorer aussi le lac, mais il faut faire plein de choses. Oh, il faut faire plein de choses. On va tout simplement d'abord se rendre, ici. On va finir d'explorer cette zone. Hein, vous savez quoi? On va finir d'explorer cette zone. Et ensuite, une fois qu'on aura fini d'explorer cette zone, on partira tout simplement en direction. Bah, de la prochaine, hein. De la prochaine zone. Oh là là, le problème c'est que comment tu veux explorer ça, toi? Bon, on va voir si. En fait, ici, il faudrait absolument qu'on s'appelle. Une rafle. Pas enfin, une rafle. Rafle, je sais pas comment on dit. Bah, un bateau, quoi. Oh! Look! La créature divine! On a 20 médos ici! 20 médos. Ou nom d'oiseau, ok. Je viens de comprendre. 20 médos, oiseau. C'est beaucoup plus facile à retenir. Va Médo. Alors j'ai besoin d'un moment avec de l'eau.
Ok, en fait, là, au cas où, c'est tout nouveau. On en parle qu'il y a de la rancœur de partout quand même. Ça c'est un dito rock, hein. Pas du tout. Ah, il est là, notre ado. Bah oui, on a quand même une grosse zone à explorer du coup dans l'épisode prochain. Dans les épisodes prochains. Bah vous savez quoi les amis, je sais que ça fait que 16 minutes, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh ben écoutez, alors du coup on va quand même le découvrir, je voudrais bien savoir ce que c'est. Donc c'est, il faut appuyer sur X longtemps. Et lâcher. Ah oui, on va où quand même. Ok, à mon avis j'imagine que ça se recharge. Ok. En tout cas j'aime beaucoup, honnêtement je suis très très content. Je suis vraiment très très content. Au moins ça prouve qu'on avance. Ça prouve qu'on avance. Du coup, dans l'épisode prochain, on partira tout simplement en direction de ce lac, hein, le lac de Gonais ou de Gonis, dans lequel on ira explorer tout simplement. On ira explorer voilà, les alentours, on ira explorer également tout le lac de Gonis, sachant que il part, j'ai l'impression, un peu. Ok, donc la suite après de ce lac est, j'ai l'impression, dessous. Donc vers le lac des bras, et après il faudra explorer tout ce grand lac, tout simplement. Il y aura certainement des petites choses à faire. Et ensuite il y aura le lac des bras, mais le lac des bras qu'on fera en dernier pour le moment, enfin en tout cas pas maintenant. Parce que du coup, une fois qu'on aura fait ça, on explorera du coup le mont Khanfu, hein, on fera du coup le mont Khanfu. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on explorera les abords d'ici. Et on finira par ici. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on explorera du coup le ravin, là, le dedans de ce ravin. Donc à partir, on s'arrêtera justement là où il y a la noix Korogu. Mais sinon, on fera du coup le ravin. Il y a énormément, à mon avis, énormément à y faire. Donc voilà, peut-être des sanctuaires ou quoi que ce soit à découvrir. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, les amis, on partira dans les hauteurs Gerudo. On fera du coup les hauteurs Gerudo. Hein. On a énormément de choses à faire ici. On a beaucoup, beaucoup de... Vous avez vu, hein, y a beaucoup de choses, sachant que c'est une zone de gel, donc on est immunisé au gel, donc c'est parfait. Et une fois qu'on aura fait ça, les amis, on pourra partir dans la montagne de l'Anel, continuer à faire ce qu'on fait, sachant que ici, à mon avis, il y aura certainement peut-être des quêtes secondaires qu'on aura débloquées. Ah oui, on doit d'ailleurs parler encore aux personnes du au chef du village, à mon avis, ou à Teba peut-être. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera fait avant qu'on parte d'ici. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Et encore, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Moi, je me serais éclaté. Honnêtement, vraiment, cet épisode aurait été riche en termes de choses. Et logiquement, si je dis pas de conneries, logiquement, dans la sacoche. Et voilà, elle est là. Donc la rage, on peut même désactiver. On va l'activer, il faut l'activer tout le temps. Pourquoi le désactiver, c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, donc on a un peu de tout. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace.